Coucou tout le monde, on se retrouve pour vous offrir un colis Vinted et je vais vous présenter un autre article que j'ai reçu déjà de Vinted et que j'ai ouvert. Donc c'est une boîte comme ça. Ouais, voilà, elle s'est bien ouverte. Alors normalement, alors là il n'y a plus rien. Normalement il y a un personnage supplémentaire, donc vous avez les quatre personnages là. C'est le Mario, le Monopoly Gamer. Donc comme vous savez, je l'avais déjà, pour ceux qui me connaissent, je l'avais déjà, mais en fait les enfants avaient arraché le devant. Donc comme moi je vais les garder en collection, le mien je vais le remettre en vente et j'ai racheté celui-là, je l'ai eu pour 9€ sur Vinted. Voilà. Donc là il n'y a rien. Par contre là il y a un truc que je comprends pas là, tout de suite maintenant il manque le personnage qui était prévu. En supplément, là j'ai des cartes, j'ai des pions pièces, là j'ai les pions. En fait le personnage supplémentaire c'est Mario comme ça mais en version noir et blanc là, avec la fleur de feu. Ah non mais par contre là je me suis fait arnaquer, il n'y a rien. Heureusement que je l'ai ouvert en vidéo parce que sinon franchement, bah voilà, le gars Vinted il pouvait dire ce qu'il voulait et voilà. Putain, franchement, je suis dégoûtée, quoi. Et ben, ça se trouve, à tous les coups, vous savez ce qu'il a fait, le gars. Il m'a baissé de 12, il est passé à 9€. Et ben, vu qu'il me l'a mis à 9€, il a enlevé le machin. Et ben, moi, je vais pas me laisser faire. Sur la photo, il y avait marqué, et dans l'intitulé, il y avait marqué qu'il y avait un personnage supplémentaire. Il y est pas, je demande le remboursement. Si le gars, il veut pas entendre quelque chose, et ben, je vais demander le remboursement. Voilà. Et j'ai reçu ça pour Antonin. En plus, Antonin, il est au CESAD. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc pour aider les enfants en difficulté. Il est au CESAD. Et avec son éducatrice du CESAD, au mois de juin, ils avaient fait la grenouille à grande bouche. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous ai déjà présenté le livre de la grenouille à grande bouche. Et cette année, attendez, je reviens. Je suis juste derrière, j'arrive. Cette année, pour le spectacle de cette année, ils vont faire, donc pour juin prochain, les deux grenouilles à grande bouche, ce qui est la suite. Ça, je l'ai acheté sur Amazon d'occasion et ça passe par Mobox. C'est génial, il est comme neuf. Et vous le payez moitié prix. Et du coup, comme Antonin est en ce moment, il a une passion couture. Donc du coup, il est, j'avais trouvé ça sur Vinted. La boîte est neuve, scellée, tout est scellé. Franchement, j'étais trop contente. Il y a eu un petit cabossage là. Mais voilà, donc du coup, il veut que, quand je vais voir son éducatrice du CESAD, que je lui donne et il va le faire avec son éducatrice du CESAD. C'est un petit doudou grenouille. Il fait cette taille-là, hein. J'ai ouvert pour regarder moi. Enfin, je pourrais vous montrer. Je pense que j'arriverai à mettre le scotch. Ouais, sinon je remettrai du scotch. Du moment que je lui arrache pas la boîte quand même. Parce qu'après, on voit... Donner un cadeau à un enfant qui est totalement abîmé. Ah oui, je vous ai pas... Si, je vous ai ouvert aussi le petit chien, comme ça que j'ai reçu. J'ai envoyé un message à la dame. La dame me dit, moi, quand je l'ai mis dans le carton, il n'était pas abîmé. Regardez mes photos. Je fais, vos photos, on voyait le devant, le derrière, on ne voyait pas les côtés. Et du coup, elle m'a remboursé intégralement. J'ai dit, ouf. Parce que ça se fait pas, franchement, d'offrir un truc cabossé à un enfant. Donc là, vous avez la notice. Alors, c'est bien, c'est pas... Apparemment, elle n'est pas en français, la notice. Mais bon. Ah si, 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 il y a un côté où elle est en français. Mais de toute façon, vous avez les indications là. Et vous voyez, voilà, elle est grande comme ça. Ça fait, voilà, taille un peu plus grande qu'une main. Vous avez tout le kit avec les petits bouts de tissu et tout. Moi, franchement, mon fils, maintenant, quand j'ai envie de lui faire plaisir, je sais quoi lui prendre. Il faut lui acheter de la couture à mon loulou et il est heureux. Donc, bah, débat à suivre pour ce qu'il en est. Ça, je rangerai après. Il n'y a pas mon téléphone par là. J'ai entendu bipper, mais je sais pas où il est. Flora, tête en l'air. Vous connaissez? Bah... Parce que je crois qu'il y avait un message Vinted. Il y en a un qui bip, qui est de l'autre côté. Attendez. Bah,
Je sais pas où il est. Bon, je vais prendre l'ancien qui fonctionne. Je crois que j'ai vu un message Vinted. Non, bah, le gars il répond même pas. Je vais laisser. Bah oui, non, mais. Flora, mais t'es complètement débile. Oh là là, ça me. Plus j'y vais, plus j'ai un bête. Je suis en train de filmer avec mon téléphone. Alors vous voyez, j'ai un gros taft qui est juste là et ça me gêne pour parler. Donc oui, je suis en train de tourner avec mon téléphone, donc n'importe quoi. Là, je prenais l'autre. Non, non, il m'a pas répondu, le gars. Je vais lui laisser encore une heure ou deux s'il m'a pas répondu. Tantôt, j'ai des trucs à faire. On va à un atelier créatif dans un village un peu plus loin, à 12 km d'ici. C'est une amie qui anime un atelier créatif d'Halloween. Apparemment, elle va être déguisée en sorcière du Morvan. Donc voilà, ça va être super sympa. Et puis, bah voilà. Et puis, quand je rentrerai, si monsieur... monsieur n'a pas daigné me renvoyer de message, monsieur Ludo. Je dirai pas son pseudo entier, hein. Ludo, s'il m'a pas renvoyé de message, eh ben, je vais faire, j'ai un problème et je vais me faire rembourser par Vinted. Ce qui est normal. Vous, qu'aurez-vous fait? Je poste la vidéo tout de suite. Gros bisous, à bientôt.